In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. A young nigga only want what he deserves, and that's real. It's that type of beat that make me shmoney dance. I'm out here paper chasing, need about $100,000. When you hear my verses, you could probably understand. My sound is worth more than what could fit in rubber bands. I should get paid for these verses. If artists put in the bread, then I'ma leave them dead. We the scene red, someone bring out the hearses. 16 bars, what else is there to be said? Tell them I'm a motherfucking animal, savage, even a cannibal. When it come to rapping, I'm breaking records and clavicles. On the avenue, it's nothing that the boys in blue can do. The softest mystery, you need Dick Tracy and Shelby Woo. Lose the attitude, I only want mad cash. You hitting niggas, only choice is to stay mad. If you wait on handouts, I'ma just laugh. Boy, if you don't get on that Brian Black cash, then I break fast like I work at IHOP. Tell them bury me a king, fuck a pine box. Paper checks, Nike checks on my white socks. With all the bodies that I caught, I need that treatment Shine got. Nigga, rise clock, people think this shit's a game. Been grinding for so long and people still don't know my name. This is insane, I ain't never want the fame. I just want what I deserve, and that's just to get paid. Yeah, that's to get paid. Just to get paid. And I put that shit earth. And I put that shit earth. Tell me where the money is. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour votre talk show favori avec sur le parquet de la radio avec Oncle Phil pour ce talk show improvisé que nous avons décidé d'appeler depuis quelques semaines Oncle Phil Playground. Oncle Phil Playground, c'est toute la semaine sur le parquet de la radio off. Et comme je vous l'avais déjà précisé, c'est une émission totale impro avec les invités que l'on attrape, on va dire ça comme ça, sur le coup de la journée pour parler de l'actualité de la NBA, pour faire le point sur les toutes dernières, sur les tout derniers dossiers qui concernent cette ligue que nous apprécions tant. Et on va commencer avec les présentations. On va d'abord commencer par introduire notre auditeur de cet après-midi. Il s'agit de Romain. Il a l'habitude, hein. c'est pas sa première apparition sur le parquet. Je crois que pour ceux qui écoutent régulièrement les talk shows, vous allez reconnaître sa voix. Il est à côté de moi. Bonsoir Romain. Salut Oncle Phil, salut Radio Off. Bonsoir à tout le monde, je suis dans la place. Yeah. Comment va la forme? Oh, ça va. Hein, il y a du vent, il y a de la pluie. Le soleil est en train de retomber, donc il va faire un peu frais. Ça va. Voilà, on est là tranquille pour ce talk show. Oncle Phil Playground. Alors, pour le programme de ce soir, on a trois gros dossiers qu'on va partager avec vous. Alors, ce n'est pas des dossiers. C'est des dossiers que l'on suit régulièrement sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours important d'en parler, puisqu'il y a souvent régulièrement des nouvelles informations que l'on rajoute sur ces actualités. Premier dossier de New King of LA, hein, LeBron James. Est-ce que LeBron James est pour vous The New King of LA? On va poser la question
à Romain. Et bien entendu, moi-même, je vais donner mon avis. Deuxième question pour l'émission de cet après-midi dans Oncle Phil Playground. On va se poser la question concernant Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, est-ce que l'entourage de Kawhi Leonard va peut provoquer, on va dire comme ça, est-ce que son entourage peut provoquer qu'est-ce qu'on peut dire, on peut dire ça comme le déclin de sa carrière. Voilà, merci pour les mots. Est-ce que l'entourage de Kawhi peut provoquer le déclin de sa carrière? On l'a souvent précisé. On avait déjà parlé du dossier Kawhi Leonard il y a la semaine dernière, mais il y a d'autres éléments qu'on va partager avec vous aujourd'hui concernant l'influence de sa famille, de son clan sur sa carrière. On se pose la question, est-ce que cela peut provoquer le déclin de sa carrière? Et troisième dossier, on va parler de Carmelo Anthony. Quid de Miami, LA ou alors Houston, quelle est la meilleure destination pour Carmelo, pour Melo, pour Woody Melo? Où est-ce qu'il va aller déployer son Woody? On va dire ça comme ça pour la prochaine saison. Moi, j'ai une petite préférence, peut-être que Romain a sûrement la sienne. On va aussi faire le point sur les possibilités, quel est le meilleur choix possible pour lui en termes d'effectifs, en termes de relationnel, en termes d'alchimie. On va dire ça, on va plutôt utiliser ce terme-là concernant Carmelo Anthony. Allez, sans plus tarder, on enchaîne. On va donc commencer par LeBron James. Est-ce que LeBron James est the new king of LA? Alors moi, je vais d'abord donner mon avis, ensuite je vais laisser Romain s'exprimer. Pour moi, LeBron James est-ce qu'il est the new king of LA? Oui et non, on va dire oui et non. Pour moi, oui et non. Alors pourquoi est-ce que c'est le nouveau king de LA? Tout simplement parce que c'est l'attraction du moment à Los Angeles. Hein. Qui ne parle pas de l'arrivée de LeBron James aux Lakers de Los Angeles? C'est un événement qui était attendu depuis près de déjà depuis les finales déjà, hein, on en parlait. Oh, après ouais. La défaite, hein, on en parlait déjà. Un peu avant aussi, voilà, tout le monde évoquait déjà l'arrivée de King James à Los Angeles. On avait déjà évoqué le petit signe hein, qu'avait envoyé Jenny Buss, la propriétaire des Lakers, lorsqu'elle avait fait un tweet il y a encore de cela plusieurs semaines avant que LeBron James n'annonce officiellement qu'il allait rejoindre les Lakers, où elle tweetait quelque chose du genre « Il ne faut jamais sous-estimer une grande équipe comme celle des Lakers ». Donc, il y avait plus tout le monde s'accordait de dire que c'était imminent et qu'il ne restait plus que l'officialisation pour enfin considérer que LeBron James est donc un Laker. Donc, pour moi, c'est vraiment l'attraction du moment. Donc, à ce niveau-là, on peut le dire, c'est le King of LA. C'est le joueur pour qui Magic Johnson va vraiment mettre les pieds, il va vraiment le mettre à l'aise, on va dire ça comme ça, Magic Johnson. Magic Johnson va vraiment faire tout ce qu'il sera tout ce qui sera possible pour lui pour permettre à LeBron James d'être le plus à l'aise possible sur le plan basket. On le sait aussi, c'est la terre du business hein, par excellence au niveau des États-Unis. On le sait, LeBron James qui a aussi ses affaires de ce côté-là. Donc autant d'éléments qui permettent de dire que pour moi, en tout cas, LeBron James est the new king of LA. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Tout simplement parce que je vais simplement reprendre la déclaration de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui avait déclaré, dans les médias encore une semaine, que pour que LeBron James soit un grand Laker, il faut qu'il gagne des titres. Voilà, tout simplement. Et je vais m'arrêter là. Je vais faire la passe à Romain. Il va nous donner son avis sur le cas LeBron James. Romain, est-ce que LeBron James est the new king of LA pour toi? Alors, je vais faire comme toi, je vais dire oui et non. Mm-hmm. Oui, parce que c'est le king. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est le king de la NBA. Et le king de la NBA à LA, ça fait le king de LA. Mm-hmm. Oui, aussi parce que je pense que sur les 4 prochaines saisons, il sera lui le leader de cette équipe, mm-hmm. aussi bien sur le terrain que hors du terrain.
Ça c'est pour l'aspect, du jeu. Et même sur l'aspect médiatique, je veux dire, LA c'est une grosse ville médiatiquement parlant. LA c'est le cinéma, c'est la musique, c'est la mode et tout. Et LeBron James en termes d'impact va quand même, on va dire, je pense qu'il est capable de dominer même médiatiquement l'actualité de cette ville-là dans les années, au moins sur l'année à venir, le temps que ça retombe un peu. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles moi je pense que oui, on peut dire que LeBron James aujourd'hui est devenu le king de LA. Maintenant je dirais non. Non, pourquoi ? Première raison c'est que aujourd'hui c'est le king de LA peut-être, dans le sens où oui, il est arrivé à OLA et puis bon, ça fait beaucoup de bruit. Mais sur la distance, sur le long terme, il ne va pas rester dans les mémoires comme étant le king de LA parce que il ne peut pas faire en 4 ans tout ce que les légendes qu'on ne compte plus de LA ont pu faire pendant leur carrière, à moins qu'ils gagnent les 4 prochains titres, ce qui me semble assez hallucinant. LeBron James n'aura pas le même impact sportif que Kobe, que Shaq, que Magic et j'en passe, tu vois. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que moi je pense aussi que même sur le terrain, je pense que LeBron James est parti aussi à LA pas pour aspirer le jeu de LA. Je me dis même que vu la logique sur laquelle il est, d'être patient, de se dire ok, je me donne 4 ans et je vais voir au bout de 4 ans si possible gagner un titre avec cette équipe, faire quelque chose de grand. Je pense qu'il est dans une dynamique où il veut aider les jeunes de cette équipe à eux aussi prendre la relève. Donc je me dis que sur les deux prochaines années, on va voir LeBron James dominant, mais pas aussi dominant qu'il a été à Cleveland. Je pense qu'il va se mettre en retrait aussi et ne faire LeBron James que si nécessaire. Je pense qu'il va faire l'effort de laisser les jeunes aussi faire le taf et ne pas aussi capter toute l'attention, capter tous les ballons. Je pense que ce serait une bonne approche, surtout pour cette équipe des Lakers, pour la construction à venir. C'est pour ça que je me dis, LeBron James c'est peut-être le king, mais c'est un king qui va certainement passer la couronne à quelqu'un d'autre. Tu vois, donc je pense que voilà la raison aussi fondamentale pour laquelle je pense qu'il ne va pas être le king absolu, quoi. Tant qu'il est sur la période du passage du témoin, je pense. Je pense que son départ au Lakers, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas maintenant à qui va passer le témoin. est-ce que c'est à Kawhi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à Kuzma, Lonzo Ball? Je ne sais pas. On verra. Mais je pense qu'il y aura un passage de témoin au Lakers durant la période de LeBron James là-bas. Alors, puis on verra ce que tu dis n'est pas faux parce qu'on va préciser quand même que LeBron James... certaines sources précisent que LeBron James n'a mis aucune pression à Magic Johnson pour recruter des gros noms, un peu comme ce qu'on a pu voir dernières années à Cleveland. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où j'arrive dans un endroit où je vais pas trop jouer le... Enfin, il est le boss, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet esprit-là où on se dit, le mec, il va arriver là pour le premier match de la saison. Il va vraiment se la jouer tranquille et vraiment faire le king au moment où ça... Enfin, faire ce qu'il a à faire pour gagner au moment où... Enfin, oui, quand ce sera nécessaire. Et surtout que moi, je me dis aussi que... Pour moi, ça me semble couler de source parce que je pense que quand LeBron James revient à Cleveland, c'est parce que lui, il pense passer le témoin à Kyrie Irving, tu vois. Sauf que je me dis même que cette saison aurait peut-être été celle du passage de témoin officiel. Si Kyrie n'était pas parti, tu vois. Je crois même qu'il avait cette intention. Il avait oui, déjà précisé ça. Je pense que c'était son intention. Il avait dit dans les médias que il avait cette intention plus tard de laisser l'équipe à Kyrie, puisque même quand il était à Miami, d'ailleurs il y a une petite anecdote qui précise que Kyrie Irving n'était absolument pas content du retour de LeBron James, puisque LeBron James l'avait averti déjà lors d'un match opposant le Heat au Cavs. Il lui avait dit fais gaffe, je vais revenir. Mais je crois que c'était ici, il avait dit dans le sens de l'encourager. Il disait genre, c'est bien ce que tu fais, continue ce que tu fais. Il se pourrait même que je puisse revenir. Si tu continues, il se pourrait que je revienne un jour pour qu'on puisse travailler ensemble. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que je crois que Kyrie ne voulait vraiment pas. Il ne voulait pas. Il estimait ne pas avoir besoin qu'on lui passe le témoin. Il voulait absolument pas. Il estimait être capable, lui tout seul, de prendre ce qui lui était dû.
ce qu'il y a dû, comme on fait ici au Cameroun, on dit, on ne te donne pas le balai, tu arraches, tu vois. Voilà. Je pense que c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire. Je veux dire, s'il restait et qu'il disait à LeBron James, genre, c'est moi, je pense que LeBron James lui aurait cédé le truc, tu vois, sans forcément. Mais bon, après, on va pas débattre là-dessus. Donc, je pense que, effectivement, LeBron James est dans cette disposition-là, il était déjà avant. C'est juste qu'il ne trouvait personne à qui passer le témoin, quoi. Ouais. Maintenant, je ne sais pas à qui va passer le témoin, là. Tu vois, parce que, bon, à qui LeBron James peut passer le témoin. C'est une vraie question. Hein. Tu vois, à qui LeBron James peut passer le témoin, là. À part, éventuellement, Kawhi. Même Kawhi, bon, Kawhi, c'est Kawhi, je veux dire. Kawhi n'a pas besoin de LeBron James pour pouvoir... Il l'a dit. Pour pouvoir être... Avoir il l'a dit, je suis le seul à pouvoir le stopper. Pourquoi est-ce que je vais jouer avec lui? Voilà, les clés d'une franchise, donc... peut-être, il y a qui d'autre? Il y a qui pourrait venir l'année prochaine, je sais pas. L'année prochaine, bon, Paul George, c'est mort. Non, c'est mort. Ça, c'est Marcus Cousins, peut-être. L'année prochaine bah, il a un an avec les Warriors. Sauf si ça, reste à voir. Ça se passe bien, sauf si ça se passe mal, pardon, il pourrait prendre l'optique d'aller aux Lakers. En tout cas, on verra. Mais bon, verra. Ça, c'était pour la partie. Alors, deuxième sujet concernant les Lakers. Est-ce que tu les vois faire les playoffs? Est-ce que ça c'est une question parce que le king est dans la place hein. Le minimum c'est quand même les playoffs hein. Le king est dans la place. Gars, c'est l'Ouest, man. C'est l'Ouest, gars. Mm-hmm. Gars, c'est l'Ouest. Ouais. C'est l'Ouest, gars. C'est le Far West. C'est la jungle. C'est le Far West et c'est un Far West très compliqué. Mm-hmm. Très très compliqué. Maintenant, honnêtement, mm-hmm. j'ai envie de me dire que même à l'Ouest. Mm-hmm. Ce serait beau, tu vois, que même ouais. à l'Ouest, LeBron James est capable d'amener une équipe, tu vois, en finale de conférence. Ce serait ouais. tellement beau, tu vois. Ce serait que ça fermerait la bouche à pas mal de monde, tu vois. Déjà, faire les playoffs, déjà, ce serait déjà bien. Non. Bon. Oui, c'est vrai. Ou même tu dis que c'est gagné d'avance. C'est vrai que faire les playoffs, je me dis qu'ils le font. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Cette année, ils auraient pu le faire, tu vois. Vraiment, ils auraient pu le faire avec un poil d'expérience en plus, tu vois, il y a pas mal de matchs qu'ils auraient pu gagner avec un poil d'expérience en plus et c'est clairement l'expérience qu'ils ont pris cette saison, tu vois, clairement cette saison, cette free agency, c'est clairement l'expérience. Maintenant, si le roster reste tel qu'il est, honnêtement, je pense qu'ils y vont, tu vois, s'ils ne forcent pas forcément le coup Kawhi Leonard et qu'ils perdent les jeunes là, moi je pense qu'ils y vont en playoff. Maintenant, ce serait beau vraiment qu'ils aient un final de conférence. Ce serait vraiment très beau. En tout cas, je connais un joueur dans la conférence. Est-ce qu'il y a hâte de Je connais un joueur dans la conférence Ouest, pardon, la conférence Ouest, qui a hâte de se frotter à LeBron James et de l'éliminer, on va dire ça comme ça. Je pense à Damian Lillard hein, des Blazers de Portland. Damian Lillard qui a vraiment hâte de se frotter à ces Lakers. Dernière question concernant les Lakers. Comment est-ce que tu vois l'alchimie de cette équipe? Comment est-ce que tu vois je voulais avant de parler de Lonzo Ball, puisque je crois que Lonzo Ball fait partie de ceux qu'on peut citer comme probable futur héritier de ce témoin, hein, puisque c'est quand même un joueur que LeBron James apprécie. C'est un joueur aussi habitué au double-double. Hein. LeBron James, il fait facilement des 10 rebonds, des 8, des 10 passes. Des triples doubles aussi, oui, Lonzo Ball. Mais alors, l'alchimie, Rondo, LeBron James, il y a encore qui on peut citer qui est en troisième, Stephenson. Bon, est-ce que l'alchimie ça va prendre? Je sais que Rondo c'est un meneur de métier, on ne présente plus Rajon Rondo, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui aime la balle, c'est quelqu'un qui aime organiser le jeu. LeBron James aussi, il a cette particularité là. Comment est-ce que les deux vont s'accorder? On le sait, c'est des pros, mais on sait aussi que Rajon Rondo c'est aussi un joueur caractériel. Hein. Il n'est pas le genre à se laisser. Quand tu as côtoyé Kevin Garnett, bon, dis-moi. Oui, bon, déjà, moi, honnêtement, je pense qu'elle va prendre. Parce que ça a beau avoir l'air d'être un cocktail Molotov, tu vois, ouais. Avec des caractères de fou. Des caractères de fou, vraiment. Mm-hmm. Mais je pense que c'est pas incohérent non plus, tu vois. D'accord. Parce que on se souvient du discours de LeBron James qui disait que
qu'il était fasciné par les joueurs qui les joueurs intelligents. Oui. Tu vois. Et, et honnêtement, Rondo, là il l'a. Rondo, l'a. Je pense que Rondo est suffisamment mûr, suffisamment mature, et je pense que Rondo sait dans quoi il va. Ouais. Il sait dans quoi il se engage. Je crois qu'ils savent tous que c'est une aventure, on va dire, pour on va dire. Montrer que nous avons compris de quoi il s'agit et nous allons vous montrer que nous avons compris et que nous sommes capables de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir être une équipe qui peut dominer et qui peut faire les choses bien. Rondo, on a vu cette saison avec les Pelicans que malgré tout ce qu'on attendait de sa tétutesse, ça n'a pas été le cas. Ouais. Même si on peut penser que son départ au Lakers, c'est un peu un coup de sang ou un coup de... Mais bref, moi je pense que Rondo, il a compris. Oui. Stephenson, je pense que c'est un joueur intelligent. Un peu fou sur les bords, mais il est fou. Lance Stephenson, ouais. Il est fou quand il est contre le bon James. Il est du bon côté de la barrière cette fois. Je pense que le bon James l'apprécie. Honnêtement, le bon James l'apprécie. Et je crois que les deux ont décidé de se mettre, de devenir les lieutenants de LeBron James. Donc moi je me dis, il n'y a pas forcément de risque que ça pète plus qu'ailleurs, tu vois. Je pense qu'ils ont tout. Tu as Magic est au-dessus de tout ça et qui Magic est respecté par tout ce beau monde, tu vois. C'est vrai. Donc je me dis, ça va prendre. Je pense que ça va prendre. Et puis tu as tous ces jeunes qui ne demandent que d'avoir cette expérience-là. Ouais. Tu vois. En tout cas, maintenant, je pense que le débat, c'est pas forcément qui va commencer, qui va pas commencer. Tu vois, Lonzo Ball n'est pas obligé de commencer. Ouais. Tu vois, tout comme Rondo n'est pas obligé de commencer non plus. Je crois que ça dépendra. On aura forcément clairement deux équipes, une première équipe, une deuxième équipe. Je crois que l'un aura Rondo aura les clés de son équipe forcément en première ou deuxième équipe aura les clés de son équipe. Ouais. Je me dis aussi que forcément Lonzo Ball. Le bon James sera les clés de son équipe et peut-être avec Lonzo Ball à la main, pourquoi pas, tu vois. Et puis Rondo, les clés de son équipe en deuxième couteau après. On verra, mais moi je me dis c'est pas un problème. En tout cas, moi aussi je suis d'accord avec toi. Une belle équipe à voir jouer d'ici quelques semaines là, ça va démarrer. On a hâte de voir ça. Allez, on va attaquer le dossier Kawhi Leonard aux Spurs. Enfin, l'ex-joueur des Spurs, puisqu'il n'est plus joueur des Spurs. Kawhi Leonard ne veut plus sentir l'odeur des vestiaires de San Antonio. On le sait. Alors, on revient sur les derniers détails pour ceux qui ne le sauraient pas. Les dernières sources précisent que depuis qu'il y a un peu le froid entre Kawhi et son clan et les Spurs de San Antonio, cela est aussi provoqué par le management du clan Kawhi Leonard, la famille donc de Kawhi Leonard et plus précisément le patriarche de cette famille qui est un oncle de Kawhi Leonard qui lui prend toutes les décisions concernant le joueur. Pour sa carrière. Donc c'est bien son oncle qui a conseillé à Kawhi Leonard de changer de team. On le sait pour les raisons d'abord de santé, puisque Kawhi Leonard n'arrivait pas à retrouver le top de sa forme. Et pourtant, il faut quand même préciser que c'est l'entourage de Kawhi Leonard, c'est le médecin de l'entourage de Kawhi Leonard, payé par la franchise des Spurs, qui soigne le joueur. Et aujourd'hui, les Spurs ne savent pas, au niveau médical, les Spurs ne savent pas, et ce depuis plusieurs mois, ils ne savent pas comment est l'état de leurs joueurs. Sans oublier le fait que la famille, le clan Kawhi a tout fait pour empêcher le joueur de nouer des contacts avec son équipe. D'ailleurs, Greg Popovich a longuement précisé, il a souvent dit aux journalistes, et on pensait qu'il blaguait, que si vous voulez des nouvelles de Kawhi, interrogez simplement ses proches. Et à chaque fois qu'il disait ça, les journalistes pensaient que c'était une blague à la Popovich, alors qu'en fait, c'était la réalité. Les Spurs étaient vraiment coupés de toute information concernant Kawhi. On le sait, Kawhi cherche la lumière, on le sait, Kawhi cherche le meilleur deal au niveau de sa valeur, au niveau aussi de ses partenaires de publicité, puisque Air Jordan ne veut... À propos, le deal que Air Jordan a proposé à Kawhi, c'est $5 millions la saison, et Kawhi Leonard veut au moins 10,
puisqu'il veut être classé dans la même catégorie que des Stephen Curry, des Kevin Durant ou des LeBron James. Il pense mériter mieux, mieux que 5 millions que lui proposerait Jordan Brand. Et Jordan Brand sait que le problème aussi est que San Antonio, c'est un petit marché. Il y a aussi un point qu'on va mettre en évidence, c'est très important, c'est que Kawhi Leonard, ce n'est pas un joueur vendeur, puisque Kawhi Leonard, au-delà de ses performances, je ne parle pas de ses performances sportives, mais le caractère de l'homme, c'est un joueur très effacé, ce n'est pas un habitué des réseaux sociaux. La dernière fois qu'il a utilisé son compte Instagram, c'était 2 fois en 4 ans. Donc, les marques ont besoin d'un joueur qui sache vendre. Et ça aussi, c'est un problème qu'a Kawhi Leonard. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous aurez un Nick Young qui est capable d'avoir un Nick Young qui est très très proche des fans sur les réseaux sociaux, il est capable d'avoir un contrat beaucoup plus élevé que sur le Kawhi. Bon, il faut aussi préciser que Nick Young joue quand même pour les Warriors. Il est quand même à Golden State. C'est aussi un point. Donc voilà, alors on se pose la question, est-ce que le clan Kawhi Leonard va causer le déclin de la carrière du joueur? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Moi, je vais d'abord laisser Romain donner son avis. Après, je vais donner le mien. Romain, comment est-ce que tu réagis face à ce dossier? Oui, moi, au début, j'avais vraiment pas toutes les informations de l'impact, ou alors de la chape que représentait le clan Kawhi. Dans sa carrière, quoi. Je ne m'en rendais pas compte. Mais depuis que, on va dire, j'ai plus ou moins un certain nombre de retours là-dessus, je me dis, waouh, c'est quand même chaud. Parce que, gars, la communication, c'est quand même important, tu vois, surtout dans un sport aussi médiatisé que le basket. Ouais. Sauf que en termes de communication autour de Kawhi Leonard, gars, tout est flou, tout est tellement opaque, tout est illisible. On n'arrive pas à savoir qui fait quoi, qui dit quoi, qui est responsable de quoi. On dit Kawhi Leonard veut, mais est-ce que c'est Kawhi Leonard qui veut ou est-ce que c'est son clan qui veut? Kawhi lui-même, il ne parle pas. Parce qu'on te dit qu'il fait une confiance aveugle à son oncle. Il est très effacé. Très effacé parce que son oncle a été là pour lui quand son père a été tué, machin et tout. Ok, ouais. Même Pop l'a dit que, gars, que je peux pas venir dire à quelqu'un que, gars, ton oncle te bring on them. Ouais. Parce que les décisions qu'il prend là ne semblent pas être cohérentes. Ouais. Alors que c'est son oncle qui s'est occupé de lui pendant qu'il était jeune et qui, grâce auquel il a pu atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Parce que il était là pour lui, la façon qu'il ne manque de rien, tu vois. Donc tu peux pas venir dire ça à Kawhi, même si tu sais que c'est un peu comme ça. Il est comme son père en fait. Voilà, il est comme son père. Sauf que moi ce que je me dis c'est ok, l'oncle la question, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait? Ouais. Gars, c'est Popovich, man. La San Antonio, c'est une tradition. Gars, c'est Popovich, gars. Je veux dire que tu ne traites pas Popovich comme ça. Ouais. Je veux dire que gars, la moindre chose c'est de communiquer, c'est de lui dire, c'est de parler, de savoir de quoi il s'agit. Ouais. Il m'a semblé comprendre que ce qu'ils veulent c'est sauvegarder, on va dire, l'intégrité du joueur, de s'assurer que le joueur a ce qu'il faut, il est traité comme il faut, que sa blessure est bien soignée, que. Mais je veux dire que si ce n'est pas le cas à San Antonio, ce sera où? Ce sera où, c'est vrai. Ce sera où? Je veux dire que si vous traitez Pop comme ça, gars, les autres franchises, quel message elles reçoivent? C'est vrai. C'est-à-dire que si elles n'arrivent pas à communiquer avec leur joueur qui est sur le terrain avec eux, parce que vous êtes là, vous faites la barrière. Les autres franchises vont aussi être refroidies sur la gestion du caca. Oui, si une équipe pareille, un entourage pareil empêche l'interaction directe avec le joueur, ça devient compliqué. Ouais. Moi, je me dis, c'est dangereux. Même quand tu parles du cas de Jordan, je dis que vous demandez des sommes, on va dire, faramineuses pour votre joueur. Ok, mais recruter un community manager, je ne sais pas trop quoi, un digital manager, un responsable de la communication de Kawhi, pour lui donner l'image que vous pensez qu'il doit avoir pour pouvoir mériter les contrats que vous voulez qu'il ait. Mais vous ne le faites pas. Non, en termes de communication, c'est archi nul. Ouais, c'est archi nul. C'est nul de nullesque. Je suis désolé, mais quoi qu'on en dise, on peut dire ce qu'on veut de Popovich, ouais, de sa froideur, de ce qu'on veut. Mais je suis désolé, mais en termes de professionnalisme, je ne suis pas sûr qu'il y a une équipe plus professionnelle à NBA que les Spurs. C'est vrai. Donc, moi, je trouve qu'il y a un vrai risque. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'en rendent compte. Et le pauvre Kawhi, il n'a personne d'autre qui puisse écouter, qui puisse lui donner un avis différent, chez qui il pourra prendre un autre avis que celui de son oncle. Et s'il en a ce point avec Popovic, c'est-à-dire que si Popovic ne représente pas pour lui, on va dire une espèce de mentor, une espèce de père, au même titre qu'il a représenté pour
Tim Duncan, pour Ginobili, pour Tony Parker. Si le président passe à pour Kawhi Leonard, je suis désolé, Kawhi Leonard est foutu. Ouais, ouais, ouais. Et il est foutu puisque son oncle va faire ce qu'il veut de sa carrière, il pourra pas dire un mot. Personne ne pourra lui dire grand chose, quoi que ce soit, qu'il daignera écouter puisque son oncle va lui dire ne les écoute pas, il va pas écouter. Ouais, ouais. Donc moi, j'ai l'impression qu'il est prisonnier, quoi. Ouais. Le mec, il est juste prisonnier. On a vraiment cette impression, on a vraiment cette sensation que Kawhi Leonard est vraiment prisonnier et qu'il n'est pas libre de ses décisions. Et à savoir, Romain, quand même, que la priorité, quand même, au-delà de tous les aspects business, visibilité, tout ça, c'est quand même la santé du joueur. Aujourd'hui, on ne sait pas si Kawhi est à 100% de ses possibilités. Les sources précisent qu'il n'est absolument pas à 100%. De toute façon, il n'y a pas d'infos. Hein. Disons-le, personne n'a d'informations. Personne, même Adrian Wojnarowski, n'a pas d'infos sur Kawhi Leonard. Personne ne sait quel est l'état de forme de l'ex-MVP des finales, Kawhi. Donc, il y a vraiment un vrai risque. Hein. Je rejoins donc Romain. Je ne veux pas revenir sur tous les éléments qu'il a dit. Je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, mais je vais seulement rajouter qu'il y a un vrai risque concernant la carrière du joueur. Première chose, il faut qu'il revienne à 100%. Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément concernant le trade, j'en parlais déjà il y a quelques semaines en précisant que les Spurs étaient déterminés à ne pas laisser Kawhi aller chez des concurrents à l'Ouest. Mais on va préciser que ils ont décidé de détendre un petit peu la laisse puisque Greg Popovich est ouvert à l'idée de négocier avec une équipe de la conférence Ouest et il va voir avec les Clippers notamment comment est-ce qu'il va pouvoir gérer ce cas avec les Clippers. Kawhi qui a aussi donné son avis, son opinion, son envie de rejoindre les Clippers de Los Angeles en précisant aussi qu'il ne souhaitait pas rejoindre les Lakers de LeBron James. Alors ça, il faut que je vérifie encore l'info parce que ça, c'est une rumeur. Hein. Je suis pas certain de ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui refuseraient de jouer avec King James. Les Spurs qui sont prêts à lâcher un peu du lest et trouver vraiment... les dernières déclarations du front office des Spurs, c'est qu'ils veulent vraiment tout faire pour trouver la meilleure option pour leurs joueurs. Je pense pas que les Spurs ne sont pas dans une optique de lui pourrir sa carrière. Ils n'ont pas cette optique-là. Ils vont vraiment prendre la meilleure décision pour lui et pour eux aussi. Je pense que dans le meilleur des cas, Kawhi Leonard pourrait signer aux Clippers de Los Angeles. En tout cas, moi, j'ai cette sensation-là puisque sa première option c'était les Lakers. Mais jouer à LA pour lui, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une mauvaise option. Moi, ce serait trop génial, gars. Mbamu et Kawhi Leonard. Ah oui. Mbamu et Kawhi, c'est une bonne défense. Hein. Ouais. On rappelle que. Mais c'est une putain de tuerie, gars. Que Luke est aux Clippers. Un an pour 4 millions de dollars pour Luke Bamute. Ouais. C'est-à-dire que si Kawhi signe aux Clippers, le prochain, bon, et qu'il revient bien sûr à son meilleur niveau, gars, le prochain Lakers, c'est la magie, man. Ce sera bon. Magie. Bref, moi je me dis, gars, ce serait pas mal. Pour le spectacle, gars. Ouais. Vaudrait mieux avoir un Kawhi chez les Clippers que chez les Lakers. Je pense vraiment que dans le meilleur des cas, un Kawhi Leonard aux Clippers, c'est un bon plan pour lui au niveau business parce qu'il est allé aussi. Voilà. Donc avec Brand, il pourra obtenir si Jordan Brand ne lui donne pas ses 10 millions, il peut lui donner au moins 8 ou 6 millions, je ne sais pas. Donc il peut avoir un bon contrat à LA, il a l'exposition au niveau du business, au niveau basket aussi, il faut qu'il soit au moins près de 100%. Ça, c'est la grosse inconnue. Oui, ça c'est la grosse inconnue. Quel est le niveau de Kawhi aujourd'hui? Personne n'est à mesure de dire quel est son niveau de jeu aujourd'hui. Et on le sait, lorsque vous êtes coupé pendant autant de temps avec le rythme de la NBA, vous ne revenez pas au top de votre forme dès les premiers jours. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Donc voilà un peu pour le dossier Kawhi Leonard. On sait qu'il y a un risque, mais il n'y a pas de feu au lac ou de feu, je ne sais pas l'expression qu'on va utiliser. Il y a de l'espoir. On sait que les Spurs vont prendre la meilleure décision pour Kawhi Leonard. On va terminer cette émission avec le cas Carmelo Anthony. Melo, Romain a toujours des choses à dire sur Melo. L'homme à la capuche. Hein, on se pose la question. Dans quelle équipe doit aller Melo? Alors Melo qui a reçu des intérêts de 3 équipes, il a reçu des intérêts du Heat de Miami, des intérêts des Rockets de Houston et des intérêts des Lakers de Los Angeles. Alors moi, l'intérêt selon
lesquels les Rockets de Houston, selon Mike D'Antoni, hein, Mike D'Antoni, on rappelle que Mike D'Antoni a quand même coaché Carmelo Anthony aux Knicks et que ça s'était très mal passé, voilà. Et Mike D'Antoni qui a précisé que le contexte aux Knicks était différent de celui des Rockets. Moi, je pense que même si le contexte est différent, le joueur, lui, il est resté toujours le même. Donc moi, je ne sais pas comment ils vont pouvoir. Voilà, c'est pas bonifié avec le temps. Sans oublier que Chris Paul est là, James Harden est là. C'est trois bouffeurs de ballon quand même. Romain a des choses à dire hein, sur Chris Paul d'ailleurs, notamment tout à l'heure. Concernant le hit, moi je le vois pas au hit. Hein. Je vois pas ce qu'il irait faire là-bas. Quoique, sauf si je vois vraiment pas l'intérêt d'y aller. Par contre, moi je vois un réel intérêt à jouer avec King James aux Lakers de Los Angeles. On le sait, le bon James a toujours souhaité jouer avec ses potes depuis quelques années. Pourquoi pas? Enfin, un duo avec Melo, un trio Melo, LeBron, Rondo. Comment est-ce que ça pourrait se gérer avec Lance Stephenson, pardon? Comment est-ce que ça pourrait se gérer? Je pense quand même que LeBron James est le joueur capable de canaliser une forte tête comme celle de Melo. Hein, je pense. Hein. Melo, on le sait, c'est un joueur ultra caractériel qui refuse hein, de jouer, qui refuse de perdre son spot de starter. Voilà. Je me souviens encore des déclarations de Doc Quinn qui disait mais donnez-lui son starter même si c'est pour 5 minutes après vous le mettez au banc. Voilà, bon, est-ce que c'est la meilleure solution? Bref, je vois bien Melo à LA. Moi, c'est mon souhait de le voir à LA. On va écouter Romain sur ce dossier. Comment est-ce que tu vois l'affaire Melo? Honnêtement, moi ça me fait chier d'abord parce que on va lui filer des grosses thunes à OKC pour rien. Ouais. Ça me fait chier déjà pour ça. Ouais. Je sais pas quel miracle vous pouvez faire avec une équipe. Accepter de trader contre j'ai pas pour moi ça me fait chier parce que ça va nous mettre des bâtons dans les roues pendant 3 saisons. Ouais. Mais bon, on va faire avec. Mm-hmm. Mais maintenant, une fois qu'il est libre, ouais. Les gros, putain. On a dit tu as qui? Tu as Houston. Houston, le hit de Miami. Et les Lakers. Et les Lakers. Ouais. Moi je me dis, la meilleure chose pour lui, c'est le hit. Ouais. Tu vois? Ouais, pourquoi? La meilleure chose, le meilleur. Gagnant. C'est le hit de Miami pour toi. Hits, même. Pourquoi le hit? Parce que aux Lakers, Rondo et Stephenson ne sont pas venus pour jouer avec Melo. Mais avec LeBron. Melo, c'est ça pas faux. Pas le faire. Je suis désolé, les gars. Ouais. Elle dit que Rondo peut se calmer. Sur le bon James. Mais sur Melo, il va pas se calmer. Melo va faire son Melo, putain, ça va partir en couille. Tu peux tuer. Parce que Melo va faire son Melo à un moment. Ah oui. Tu vois, ouais. Même pas, à un moment, il va faire son Melo. Tu vois, ouais. Isolation, Alexei là, qui il veut déranger là, il ralentit le jeu. Alors ouais. Que les gars veulent accélérer. Son mauvais côté va revenir. À un moment, il va faire son Melo. Son mauvais côté va revenir. Tu peux tuer qu'avec Rondo, avec Stephenson, même si le bon va essayer de calmer le jeu, ça va au moins d'abord péter. Et dès que ça va péter, ça va casser l'ambiance. En plus, c'est pas pour gagner un titre, il va là-bas d'ailleurs. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour les Lakers. Houston, c'est pareil. Mm-hmm. Tu vois, il a beau être le pote de Chris Paul. Il y avait Harden, gars. Je suis pas sûr que ce soit son pote. Il y a Harden, gars. Harden, il veut son ballon, gars. Oui, il veut son ballon. Il le gère, tu vois, ouais. Mais il ne pourra pas gérer les deux. Ouais. Mm. Je suis désolé, il ne pourra pas gérer les deux. Et défensivement, gars, sont sérieux. Ah oui, les Rockets qui sont plombés au niveau défense. Hein. Lung Bamute est parti, Trevor Ariza parti. Oh là là. C'est vrai que c'est. Le gros, lui, hein, tu le jeu quand les gars, eux, ils jouent. Ils veulent jouer rapidement, tu vois. Ouais. À moins qu'il accepte. Tu vois, même si je sais pas, je dis que. Je suis pas sûr que Melo va accepter de ne pas prendre le ballon et de jouer en mode. Catch and shoot. Catch and shoot, tu vois. Je suis pas sûr qu'il accepte ça. One on one. Je suis pas sûr. Tu vois, donc Houston. L'homme du 1 contre 1. C'est peut-être bon. Melo, peut-être lui, il serait peut-être content. Dans tous les cas, Melo est content. Ouais. Mais le problème, c'est que l'équipe qui perd le moins à avoir. Melo, c'est le hit de Miami. Miami, oui, ça. Ouais. Je crois que Wade est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Il se pose la question de savoir s'il reste. Il n'a pas encore pris sa décision. Je sais pas qui est à Miami, mais bon. À Miami, il peut faire son franchise player. Éventuellement, il était bien entouré de 2-3 joueurs ici, par-ci, par-là. Éventuellement, bon. Miami, il n'a rien à perdre. Voilà, Miami, il n'a rien à gagner, particulièrement. Non, pour l'instant, ils n'ont pas pris de gros renfort. Ils n'ont pas de renfort particulier. Lakers, Houston. Ouais. Aucune des deux équipes n'a intérêt à prendre Melo. Je ne sais pas ce que les gars sont en train de raconter en disant qu'ils veulent Melo. En tout cas, j'apprécie ton avis tranché qui est différent du moins. Je pense que les auditeurs vont aussi se faire leur avis. Alors, quid
vous pensez, quid de Melo aux Lakers ou aux Heat de Miami, hein, faites-nous signe sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Oncle Phil Basket ou alors dans notre groupe Radio All Hall of Fame Basket. Dites-nous, quel est, où est-ce que vous souhaitez que Melo aille jouer, est-ce au Heat, aux Lakers ou alors aux Rockets de Houston. Romain, c'est le Heat, moi c'est les Lakers. D'abord parce que c'est le mondial et aussi parce que ça va faire parler. Hein. Moi, j'ai besoin de sauce hein, dans mon riz. Et je sais qu'un Melo aux Lakers, il y aura tellement de choses à dire. Déjà, le bon James, c'est là. Il y a toujours quelque chose à dire avec le bon James. Avec Melo, ça fera des émissions, en veux-tu, en voilà, constamment sur Radio Le Femme Basket. C'est vrai que Melo, Heat de Miami, c'est vrai que, non, sur le plan de ce que tu... De l'intérêt de l'équipe, c'est vrai que le Heat, c'est le meilleur choix. Et c'est vrai que sur le plan de la hype, sur le plan de la rumeur, sur le plan, quand tu parles des journalistes, quand tu parles de tout ça, c'est du buzz, c'est vrai que les Lakers, c'est le meilleur choix. Alors dites-nous, chers auditeurs, quel est votre choix, Melo aux Lakers, Melo aux Heat ou Melo aux Rockets de Houston, vous nous ferez signe sur les réseaux sociaux, sur notre page Oncle Phil Basket ou alors dans le groupe Radio All of Fame Basket. N'hésitez pas à le rejoindre si ça n'a pas été encore fait. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Romain, une belle émission, 45 minutes, une tranquille. Belle émission, tranquille. Il n'a pas fait chaud, c'était super. C'était sympa. Trois bons petits sujets, voilà. Pas mal. Voilà, voilà. Et on va se donner rendez-vous pour les prochaines éditions Radio All of Fame Basket avec Oncle Phil. Ce sera donc, on est mercredi, donc demain, c'est jeudi, donc avec NBA No Limit. NBA No Limit à partir de 23h, heure de Paris, avec Missy depuis Paris. On aura Mopo depuis les États-Unis, le Doc ONP. Du côté d'Angers, on fait un big up à Cédric Ludovic du côté du Canada qui voulait être avec nous hier, ça n'a pas pu se faire, on a eu quelques petits soucis, mais bon, c'est pas grave, Radio All of Fame Basket est toujours présent toute la semaine pour vous animer avec des talk shows. En veux-tu, en voilà, on n'oublie pas de préciser, téléchargez l'application Oncle Phil Basket disponible sur Google Store. Si vous avez un téléphone iOS, un téléphone Apple, vous téléchargez l'application Spreaker Podcast et vous cherchez Radio Off. C'est tout simple. Et n'oubliez pas, nous avons lancé un concours, un jeu concours depuis quelques jours pour gagner un t-shirt Radio Off Basket, un t-shirt Radio Off Basket. Pour cela, vous devez simplement télécharger l'application Oncle Phil Basket. Vous mettez 5 étoiles et vous nous mettez un avis utilisateur et vous n'oubliez pas de poster le tout sur la page Oncle Phil Basket. Et voilà, tous les mois, on tire au sort pour offrir un t-shirt. Même Romain aura son t-shirt. Donc voilà pour cette émission. Si vous avez par contre un téléphone iOS, on va lancer pour les Apple, pour ceux qui ont un téléphone Apple, on va lancer des petites questions comme ça concernant l'actualité, concernant l'émission pour vous permettre aussi de jouer sur l'application. Donc voilà, on va mettre ce petit jeu là. Ce sera à partir de jeudi, sinon dimanche. On va tout faire pour mettre ça en œuvre. Mais pour l'instant, téléchargez l'application et jouez tous les mois un gagnant d'un t-shirt Radio All of Fame Basket avec l'application Oncle Phil Basket sur Google Store. Voilà, on arrive à la fin du talk show. On va vous donner rendez-vous jeudi à partir de 23h de Paris. Romain, yes. Merci d'avoir été avec nous. Et à la prochaine. Hein. On dit à la prochaine pour toi parce que c'est pas certain que tu sois là jeudi. Mais on sait que tu seras là pour les prochaines éditions. Ok, à bientôt la team. À bientôt Radio Off. Eh bien, on se dit à la prochaine fois. Voilà, merci la team. On dit à la prochaine fois sur Radio Off Fame Basket. Je vous donne rendez-vous dès demain avec NBA No Limit à partir de 23h hors de Paris. Ciao les amis. Bye bye. Thank you.
c'est de bien sûr Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.